Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est toujours votre humble serviteur Ritor. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo là parlant de deux grands artistes de deux grands pays africains, le Mali et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette vidéo là est axée sur deux artistes de Bordeaux et Sidiki Diabaté. Oui, je peux vous le dire, je peux vous le confirmer. Sidiki Diabaté et de Bordeaux, le coup fort ne badinent plus. Ils ont décidé vraiment de mettre la barre très haute. Là, je peux vous le dire. Et je dirais même Sidiki encore plus. Je m'explique juste après le générique. En tout cas, pour les nouveaux, abonnez-vous. Et désolé pour hier, je n'étais pas un peu trop dans mon assiette, pour cas je ne vous ai pas fait de vidéo. Mais on reprend aujourd'hui, abonnez-vous, donnez vos avis en commentaire et partagez massivement cette vidéo-là. Voilà, bon retour chers abonnés. Avant d'aller dans le vif du sujet, je souhaiterais que mes abonnés, vous me donnez votre pronostic de ce soir, de cette demi-finale-là où l'Afrique est encore représentée par l'équipe du Maroc. Bon, je ne rentre pas dans les considérations, dans les polémiques, ça, ce n'est pas mon problème. Tant que le pays du Maroc est sur le territoire africain, ce sont les Africains et on se doit de les soutenir bec et ongle. Donc, donnez-moi vos pronostics en commentaire. S'il y a des bleus ici, il y a des Français, ne vous gênez pas, c'est une démocratie. Donnez-moi vos pronostics. Mais moi, personnellement, je suis pour le Maroc ce soir. La France est un pays de cœur. La France est un pays que j'apprécie énormément. Mais pour ce soir, désolé, l'Afrique d'abord. Et je pense que le Maroc ira très, 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 très loin. Ma très la surprise dans cette Coupe du Monde-là. Donc, pour moi, le score, il est de 2-1. Voilà. Et je peux vous rassurer que le Maroc va gagner la France ce soir. Désolé. Pour les fervents supporters de la France, des bleus, mais moi, ce soir, je suis un lion de la classe. Donc, rendez-vous ce soir à 19h pour une vidéo directe après la victoire du Maroc, bien sûr. Voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, Sidiki Diabaté et de Bordeaux Likoufa ont décidé de ne plus jouer. De Bordeaux Likoufa, même aujourd'hui, a fait un post disant clairement qu'il s'est trop amusé, il a trop rigolé avec que ce soit ses détracteurs, que ce soit ses collègues artistes. En tout cas, désormais là, on va danser. Oui, il faut qu'on parle de Bordeaux Likoufa. Avant que je vous explique pourquoi je dis Sidiki a décidé encore de hausser les nouveaux. Je vais vous expliquer ça juste après l'intervention sur Bordeaux Likoufa. Vous savez que Bordeaux Likoufa est en concert ce 25 décembre à l'Esplanade du Palais de la Culture. Dieu merci, les tickets sortent correctement. Et je pense qu'avant la date, on sera sold out. Parce que mine de rien, l'Esplanade du Palais de la Culture, c'est au moins 10 à 15 000 personnes réunies. On peut aller même jusqu'à 20 000 personnes. Et comme je sais que ce 25 décembre, avec Bordeaux Likoufa, ce sera une très grande messe en mélodie. Ce sera vraiment une rencontre conviviale avec ses fans. Ce sera un moment historique, un moment inoubliable. Parce qu'il y a la touche KO Production dans l'affaire. Voilà. KO Production n'avait jamais, jamais, jamais organisé un concert de Bordeaux Likoufa. S'ils ont décidé de soutenir, d'investir sur De Bordeaux Likoufa, c'est parce qu'ils savent que c'est un cheval gagnant. Et parce que De Bordeaux Likoufa a des fans qui sont déterminés à prendre tous les tickets qui seront disponibles en vente. Voilà. Donc, après son concert, pour ne pas dire même après son concert, c'est-à-dire après avoir annoncé son concert du 25 décembre 2022 à l'Esprit du Valais de la Culture, De Bordeaux nous a envoyé un opus du nom de Soleil Moulé qui est très intéressant pour moi et je reste toujours sur ma fin quand je l'ai dit. Le morceau est très intéressant, très bien structuré, très bien chanté. Je ne le trouve pas dansant comme les morceaux jadis de Bordeaux Likoufa. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit de mal et c'est mon avis. Voilà. C'est mon avis. Il faut le respecter. Voilà. Toujours vos avis en commentaire. Mais, tellement inspiré, tellement déterminé, il dit qu'il y a une prochaine sortie qui va arriver avant ce concert-là. Dans cette semaine-là même. On ne sait même pas quand il va mettre le morceau. Vous voyez combien de fois De Bordeaux Likoufa a décidé de fermer la bouche de ses détracteurs parce qu'on le traitait de paresseux, on le traitait d'un artiste qui chante chaque 2 ans, chaque 3 ans. Et désormais, De Bordeaux Likoufa, c'est une histoire ancienne. C'est un nouveau De Bordeaux Likoufa qui a décidé de nous faire danser. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, De Bordeaux Likoufa, moi je te fais cette vidéo-là pour te dire clairement, si tu as décidé de nous faire danser, fais-nous danser jusqu'au bout. Parce que tu as plusieurs fois fait ce genre de déclaration-là, puis après, tu as disparu. Il faut que je te dise la vérité. Et j'espère que tu vas nous faire. Tu nous feras pas encore faux bon cette fois-ci-là. Nous comptons sur toi. Bien qu'on te critique, on te critique souvent, mais faut savoir que nous t'aimons. Faut savoir que nous t'aimons énormément. On n'a rien contre toi. Nous t'adorons. On aime ton thème vocal, on aime ta musique. Il faut savoir que on ne pourra pas te détester. Voilà, même ceux qui te détestent t'aiment en réalité. Donc, la prochaine sortie de Bordeaux Likoufa, c'est de nom Dodo. J'imagine bien comment il va danser. Comment il va chanter ça? Mais franchement, on attend de voir avec De Bordeaux Likoufa. Ce sont des titres bizarres, mais généralement, quand le morceau sort, on est toujours entraîné par la musique qui suit avec ces titres-là. Honnêtement. Donc, sachez que vous devez vous attendre à De Bordeaux avant son concert. Il va encore sortir un autre son. Il a même dit dans son poste qu'il est en train de tourner le clip. Peut-être qu'actuellement, le clip de Soleil Moulé est bouclé. Il est actuellement sur le clip de Dodo. Franchement, c'est du lourd qui arrive. De Bordeaux a décidé de ne plus jouer et ça va s'enchaîner comme ça désormais.
Voilà. Maintenant, parlons de Sidi Diabaté. Franchement, je reconnais ici que par moments, j'ai titillé Sidi Diabaté parce qu'il envoyait des pics souvent à mon artiste du cœur, mon artiste, on dira, préféré du Mali, qui n'est autre que Ibawan. Donc, souvent, j'étais un peu dur avec lui dans mes propos, dans mes réactions, dans mes vidéos. Mais fort est de reconnaître que Sidi Diabaté est un bosseur. Sidi Diabaté a de l'audace et chaque fois qu'il décide de se donner un défi, il le remporte largement. Vous vous rappelez, en cette année 2022, il nous a fait le Bercy, plein à craquer. Beaucoup n'y croyaient pas, parce qu'il y avait des campagnes de boycott et tout. On ne souhaitait pas qu'il fasse son concert. Il a fait son concert, il a réussi. Les Maliens sont sortis, l'Afrique est sortie, toute la diaspora était présente. Et même, tous ceux qui ont les images de ce concert-là, les Whitey aussi étaient de la partie. Que ce soit les Belges, les Français, même les Américains qui étaient en vacances sur Paris actuellement, qui aiment bien Sidi Diabaté, ont participé à ce concert-là. Et Sidi Diabaté ne s'arrête pas là. Il dit que non. Bercy, c'est vrai, ce fut une réussite. Mais Fally a fait le Cor Arena. Booba a fait le Cor Arena. Certaines stars, même trucs africains, ont fait le Cor Arena. Pourquoi pas lui? Donc, il décide de faire le Cor Arena au mois de novembre 2023. C'est ça un artiste. Il se donne toutes les chances pour réussir ce concert-là. Un an d'emblée pour réussir ce concert-là. Il a le temps de bien organiser son concert, de bien structurer son concert. Il a le temps d'écouler tous les tickets pour l'espace du Cor Arena et de faire une belle fête avec ses fans. Ne soyez pas surpris si Sidi Diabaté remplit le Cor Arena. Tout est une question de professionnalisme et c'est en cela que j'admire très honnêtement et très sérieusement Sidi Diabaté. Tu peux ne pas l'aimer, tu peux même le détester, mais il faut reconnaître le jeune, il est très professionnel. Je dis bien très professionnel. Il est jeune, mais il prend des risques. Il a de l'initiative. Il est très audacieux. Je me rappelle, jadis, quand il faisait les premières parties de certaines stars à Bercy, on disait que non, ce n'était pas son concert, s'il peut remplir Bercy, il a fermé la bouche. Il a rempli Bercy en 2022. Et maintenant, il se donne le droit de remplir le Cor Arena. Un espace de plus de 25 000 personnes. Où ça? C'est pas au Mali. Non, 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 non. C'est pas au Mali, ni en Afrique. C'est en France. C'est vrai qu'il y a plus de 25 000 Maliens en France, mais ce n'est pas tous les 25 000 Maliens qui vont arriver. C'est toute la Sous qui sera réunie. Peut-être 10 000 Maliens seront là, 2 000 Ivoiriens, 500 Gabonais, 1 000 et trucs camerounais. Ce sera toute la diaspora qui sera là autour de Sidi Diabaté. Et pour ma part, je pense que pour que notre musique africaine avance, il faut se mettre autour de Sidi Diabaté. Laissons les considérations. Il a été longtemps en froid avec son grand frère Ibawan. Dieu merci, les relations sont bonnes. Donc je pense que la team Glacia, tous les fans des artistes maliens doivent se mettre autour de Sidi Diabaté pour réussir ce concert-là. Il faut en parler dès maintenant. Dans toutes vos chroniques, dans toutes vos émissions, partout, il faut que ce soit un défi qu'on relève. C'est pas impossible. Même après le Cor Arena, qui se permet de faire le Stade de France, il y a des fans de Sidi Diabaté qui sont blancs. Il y a des fans de Sidi Diabaté qui sont de toute couche sociale, de tout horizon. Donc on pourra aussi remplir. Mais pour l'instant, là, ce dont il s'agit, c'est le Cor Arena au mois de novembre 2023. J'en parle maintenant pour que je fasse partie des premières personnes qui ont cru au projet. Parce que je sais que Sidi Diabaté va remplir cet espace-là. Voilà. En tout cas, félicitations à Sidi Diabaté pour cette audace-là. Nous t'encourageons et je sais que ce concert-là sera une réussite totale. Plein succès et sache que la Côte d'Ivoire est derrière toi. Ciao, ciao, Sidi Diabaté. Et Diabaté Ba Music.